Eh bien, le ministère a plaisir à annoncer que l'a démarré à Nessa un gros chantier formation disciplinaire. Ça veut dire pour nous continuer à encadrer les professeurs, pour nous avoir plus de compétences dans la matière enseignée, plus de formation professionnelle pour être capable d'exercer le métier enseignant pendant toute l'année cap ouvert. Nous mobiliser en pile partenaire pour ça capable de faire. Tant que l'université publique régionale, qui pral aider nous démarrer avec le premier volet formation ça, dans le département nord-est, dans le département nord-ouest, dans le département NIP, dans le département sud, avec le département Grandance. Formation ça, pral mobiliser tout, syndicats enseignants, comme partenaire ministère, qui parle faire ça, nous les formations par les pairs, qui parle recevoir encadrement ministère en tout, pour poursuivre formation ça pendant toute année l'école 2022-2023. Ça rentre dans le cadre plan décennal ministère pour renforcer les compétences météo. Ça rentre dans le cadre 12 mesures, en particulier mesure 1 qui concerne les permis d'enseigner, pour que météo ait compétences à la fois dans la matière d'enseigner, compétences professionnelles comme maître, puis capable d'exercer le métier. Non seulement nouveaux stagiaires, nouveaux maîtres qui rentrent dans le système pour recevoir la formation, mais maîtres qui sont dans la salle de classe, surtout, notamment à travers le dispositif FAKAP, pour recevoir la formation. Dernier point que je aborder avant de passer la parole à la direction générale, l'équipe direction générale, qui prépare le projet formation et qui va donner plus de détails, je vais confirmer que le ministère, le gouvernement, qui a une date 5 septembre pour entrer l'école, ni l'école préscolaire, ni l'école fondamentale, ni l'école secondaire. C'est la grande rentrée pour l'Institut national de formation technique et professionnelle, côté nous inviter parents, continuer à faire effort, encadrer Timounio, mais préparer pour date ça. On pays, tant que pays d'Haïti, qui a un pile déficit, pas capable de mettre le luxe, rater jour l'école. C'est l'occasion pour demander à tout acteur dans le pays. L'important pour que nous aidions à contribuer au climat de la paix, au climat de sécurité, sinon l'école n'est pas possible. Sinon, en pile l'école, malheureusement, presque obligé de fermer les portes dans une zone difficile, côté ces violences. Nous insister sur ça comme responsables pour que le message ça joigne toute partie qui est en conflit, pour que il y ait un chemin de dialogue qui est important pour créer conditions pour 4 millions de personnes reprendre chemin l'école dans la date 5 septembre parce que l'école pas qu'attendre. Pas oublier violence bourgeonnée avant en tête avant l'arrivée dans les âmes dans main. Et c'est l'école qui a aidé à désarmer la violence. Bah, l'école là en chance. Cérémonie de lancement, chantier de formation en cours d'emploi qui visait former tout enseignant qui dans salle classe dans l'école publique et pour nous bailler une certification qui qualifié genre exigence métier enseignant les fait là donc genre autorité qui parlait avant bien sûr dit là formation ça lui répond à mise en œuvre politique nationale de formation que le ministère a gagné qui fait obligation pour moun qui enseigner dans l'école c'est moun qui gagne formation pour ça. Il se trouve que même l'État ça qui a fait exigence à tout opérateur, tout directeur de l'école, tout le monde qui a intervenu dans le secteur éducatif là, pour que enseignants que a recruté c'est deux monde qui qualifié pour ça. Il se trouve que dans l'école publique yo gagne de monde qui pas gagné qualification pour faire l'école. Donc dans la politique nationale là, ministère de l'Éducation nationale décidé rompre avec pratique ça et c'est ça que fait de concert avec Fonds national de l'éducation, ministère mettait sous pied un programme de formation en cours d'emploi qui permet que enseignants qui sont dans situation et qui répondent au profil d'entrée dans la formation initiale des maîtres, profil d'entrée à ce qui s'allie, c'est réussi bac et réussi bac ou. Et tout enseignant qui est dans la salle de classe qui réussit bac yo, il a rentré dans la formation ça et après 2 ans, enseignant ça a subi une évaluation par université qui bail formation et si on réussit, il a gagné un certificat d'aptitude à l'enseignement cap qualifié yo pour yo rester dans la salle de classe et cap qualifié yo tout pour yo continuer étudier si vous voulez pour vous licencier en éducation, pour vous faire plus d'études encore en éducation, pour vous faire maîtrise, etc. Mais le ministère, dans le souci pour que les qualifiés enseignants, la météo sur la route, et formation, ça, la offrir enseignants, la possibilité pour vous suivre cours dans 13 matières, dont 7 matières professionnelles et 6 matières disciplinaires, y compris les didactiques. Première session de formation, ça. Alors, première année de formation, hein, licencié démarrer à partir de conférence, ça. Et première session, hein, l'a commencé lundi 1er août et l'a commencé avec 2 disciplines qui s'ébralent planification pédagogique et théorie de l'apprentissage. Deuxième session a fait encore dans le mois d'août là. La gagne là-dedans, didactique générale et sociologie de l'éducation. Troisième session, la gagne là-dedans, gestion de classe et la gagne évaluation des apprentissages. Et l'année prochaine, on a continué avec ensemble de didactiques et d'autres disciplines de technopédagogie qui vont permettre que les enseignants suivent un cursus de formation qui est équivalent à cursus de formation initial que n'importe qui a fait une philo aller dans un centre universitaire la spécialisé en éducation. Donc, c'est effort ça que le ministère l'a fait et effort ça, comme nous dit, les impliquer FNE pour le volet financier et les impliquer les universités publiques en région pour le volet académique et pour la diplomation. Donc, son effort que le ministère a fait pour que les capables mettent en œuvre politique nationale de formation et dans même occasion ça, comme c'est de enseignants qui a intervenu dans le premier et deuxième cycle, nous connaissons que le ministère de l'Éducation nationale a fait un effort pour résoudre le problème d'accès à l'éducation et la qualité, qui passait tout par une décision que le ministre Manigat prend pour que dans la première année et deuxième année, ça, que les élèves gagnent pour servir avec un livre unique. Ça veut dire un livre qui gagne toute discipline là-dedans et que yo pa pral fait parents dépenser un paquet d'argent pour ti moun yo achete un paquet livre alors que toute discipline est capable dans un seul livre. Donc dans cadre formation ça, n'a bien pour nous faire une sensibilisation à l'utilisation du livre unique pour enseignants ça yo qui en pile là-dedans yo pral intervenir dans première à deuxième année fondamentale. Donc nous capable de dire ça son volet. Mais la DFP, la Direction de Formation et Perfectionnement, lui prend en main la question de la régulation de la formation. Et très prochainement, nous avons pour nous présenter une cartographie de la formation que nous préparons, que nous coordonnons dans le cadre d'ouverture des classes là, et que gagnons plusieurs opérations de formation qui ont été faites. Tout département paysan a bien au moins une opération de formation qui a été faite là-dedans. Et nous sommes capables de dire, Anessa, dans le cadre de la préparation ouverture des classes, nous avons coordonné de formation qui a touché pour Pipiti environ 5000 enseignants. Donc, le ministère a fait un effort à faire dans la question de formation pour nous capables de contribuer à améliorer la qualité de l'éducation, tout comme il y a un effort à faire pour nous capables d'améliorer l'accès à l'éducation.